إخوان وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وخاتم الطاهرين، وعلى الله دائم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. أدم الله لك الهجر لاستشهاد إمام أبا الحسن علي الهادي الناقي عليه السلام. Je vous présente mes condoléances pour le martyr de l'imam Ali al-Radi alayhi salam. Et je vous avoue que, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je n'avais pas prévu que finalement je sois dans la période de l'imam al-Radi et je suis dans la biographie d'imam al-Radi alors que nous sommes dans son deuil. Ça m'est déjà arrivé même plusieurs fois, des fois, de lire un livre et de tomber sur quelque chose et qui concernait tel imam au bon moment pile où c'était l'occasion des imams. Alhamdoulilah, ça nous permet de se rappeler toujours de l'imam. Et là, ça tombe très très bien, car nous sommes dans le martyr et la fin du discours, bien sûr. Généralement, il termine toujours par une note un peu triste. Je ne sais pas s'il va le faire là. C'est la Naqshbandi, mais ça tombe très Naqshbandi, mais ça tombe très très bien. Donc là, j'en suis arrivé à certains de ses enseignements à Médine. Donc encore une fois, la première partie était très très bien. J'ai rien à dire. Globalement, franchement, mis à part un ou deux points que j'avais soulignés, tout le reste était très très bien. Inch'Allah, j'espère qu'il va continuer. Je commence. Après le décès d'El Mortasem, l'arnatullah Ali, El Wasiq, l'arnatullah Ali, devint calife, calife usurpateur, bien entendu. Pendant cette période, ils autorisèrent l'imam Ali El Radi Ali Salam à enseigner. Il n'y avait pas trop d'oppression à l'égard de l'imam. Il prodiguait des leçons dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, à Médine. La première leçon portait sur le Sahifa Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Qu'est-ce que c'est, vous demandez-vous? Ali ibn Abi Talib alayhi salam s'asseyait au pied du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et pendant que le prophète prodiguait des leçons, Ali ibn Abi Talib alayhi salam écrivait ses leçons. Ali ibn Abi Talib gardait ses leçons ou ses notes des sermons. Il les donna ensuite à Imam Hassan alayhi salam, qui les remit à Imam Hussein alayhi salam et qui les remit à Imam Zain al-Abidin. Et ainsi de suite jusqu'à l'imam Ali al-Radi Alayhum salam ajma'in. Ce sahifa est à présent avec Imam Zaman, alayhi salam ajallahu ta'ala farja. Imam Ali al-Radi alayhi salam s'asseyait à la mosquée du prophète muni du sahifa d'Imam Ali alayhi salam. Il disait par exemple, Ali ibn Abi Talib a entendu le prophète dire, la foi est dans le cœur, elle est soutenue par vos actions et unifiée par votre langue. Où se trouve la foi? Dans le cœur, mais le cœur ne suffit pas. Vous entendrez parfois des musulmans dire, je ne prie pas et je ne jeûne pas, mais j'ai un bon cœur. Que m'invera-t-il le jour du jugement? Allah prendra votre cœur et le mettra dans le Jannah et il mettra le reste dans le Jahannam. Quel intérêt d'avoir un bon cœur sans acte? Ça, c'est son interprétation. La réponse, elle est que sans une pensée dans le cœur sans acte nous entraîne en enfer en réalité. Le cœur est donc l'emplacement de la foi, mais doit être soutenu par l'action. Quel intérêt de dire j'aime Hussein, j'aime Hussein, si mes actions vont à l'encontre de Hussein, alayhi salam. Le Coran dit, certes, ceux qui croient et font de bonnes actions, dans le monde musulman de nos jours, nous avons beaucoup qui croient, mais peu qui font de bonnes actions. J'aurais préféré qu'ils mettent, si mes actions vont en compte de l'imam Hussein, mais quelquefois on a des familiarités qui, à mon avis, ne sont pas forcément positives. Après, dans les poésies, ça arrive qu'on emploie directement le nom de l'imam, mais normalement, par politesse, nous devons toujours insister pour dire imam, imam Hussein. Sauf bien sûr quand il est petit et qui n'a pas encore pris la fonction de l'imama, si on lit un texte d'histoire, ce n'est pas forcément qu'on va dire imam à ce moment-là. Même s'il était déjà imam, sa fonction d'imam n'était pas encore prise. Et donc c'est pour ça que des fois dans certains textes, on voit cela. C'est-à-dire l'imam Ali, alayhi salam, on va dire imam Ali, puis des fois quand on parle de l'Hassan et l'Hassan quand ils étaient petits, on n'emploie pas forcément imam Hassan, imam Hussein, alayhi salam. Mais là c'est différent. Il aurait pu dire si mes actions vont à l'encontre de l'Hussein. Le Coran dit certes ceux qui croient et font à l'encontre de l'imam Hussein alayhi salam. Le Coran dit certes ceux qui croient et font de bonnes actions. Dans le monde musulman de nos jours, nous avons beaucoup qui croient, mais peu qui font de bonnes actions. C'est une réalité. Après imam Zain al-Abidin alayhi salam, aucun imam d'Ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ajal farajahum wal anadahum, ne nous a laissé autant de dora qu'imam Ali al-Radi alayhi salam. Les gens diraient c'est un deuxième Zain al-Abidin. Selon une étude, il y a au moins 43 dora d'imam Ali al-Radi alayhi salam.
Imam Zain al-Abidin al-Salam en avait 51. La plupart des doigts d'Imam Ali al-Hadi al-Salam se concentrent sur les sursaufements de Satan, waswasatu shaitan. Donc les susurrements, on pourrait dire, les suggestions sataniques. Très souvent, les conflits qui ont lieu dans une communauté ou à la maison sont dus aux sursurrements de Satan. El waswas, c'est ça. N'est-ce pas? Imam Ali al-Hadi al-Salam s'asseyait avec ses étudiants à la mosquée de Médine et leur disait: écoutez ce doigt. Très intéressant, donc c'est important. Peut-être que nous ayons, que nous recherchons. Il doit sûrement avoir un livre qui regroupe les doigts de l'imam al-Hadi al-Salam. On ignore. Déjà, on ignore le Saïf as-Sajjadiyah. Beaucoup de gens n'ont pas le livre Saïf as-Sajjadiyah chez eux. Ils ont Mafatih al-Jinan. Il y a bien sûr des doigts de l'imam Zain al-Abidin dans le Mafatih al-Jinan. Mais vous avez le livre, un livre qui vient de l'imam Zain al-Abidin, et finalement on le délaisse. C'est pareil, alors encore plus pour l'imam al-Hadi, malheureusement. Après l'avoir enseigné les doigts, il a enseigné une ziyara appelée ziyara al-Jamira, mashallah, qui est sans conteste la ziyara la plus puissante après ziyara al-Ashura. Il parle du rôle de l'imam, de la position de l'imam, de la signification des imams d'Ali Muhammad dans cette ziyara. Moi je ne parlerai pas de puissance, hein, les deux se valent. Ziyarat Jamirat al-Kibira est un ziyara qui est même recommandé, très recommandé en période d'occultation. J'en ai déjà parlé énormément. C'est vraiment quelque chose qui nous apporte la connaissance des imams, la connaissance complète. Et on peut, à travers le Ziyarat Jamirat al-Kibira, si on le considère comme un texte sacré, moi c'est mon cas, on peut distinguer le vrai et le faux dans la plupart des prêches et dans ce que racontent certains savants qui n'ont rien à voir avec Ahlul Bayt. Son départ de Médine pour Samarra. Durant les règnes d'El-Murtasim et celui des lois, certes, Imam Ali al-Hadi al-Salam a bénéficié d'une période relativement calme. Mais après leur décès, il va faire un des pires califes, la'anatullah alayh, de l'histoire islamique. Il s'appelait El-Mutawakkil. Eux, ils l'appellent El-Mutawakkil Billah, nous on l'appelle El-Mutawakkil Bishaytan. C'est celui qui a essayé de détruire la tombe d'Imam Hussein al-Salam à Karbala 47 fois. Allahu Akbar. Autrement dit, chaque mois pratiquement de son règne en tant que calife, donc en tant qu'usurpateur, El Mutawakkil essayait de détruire la tombe d'Abar Abdellah, alayhi salam. Si ce n'était par la grâce d'Allah, cette tombe ne serait pas là aujourd'hui. Les récits racontent que lorsque El Mutawakkil devint calife, il était à Samarra. Et Imam Ali al-Radi, alayhi salam, était à Médine. El Mutawakkil savait que l'imam Mehdi, alayhi salam, allait venir bientôt et qu'il serait de l'aignée de Fatima, alayhi salam. Il savait qu'Imam Ali al-Radi, alayhi salam, était aussi aligné de Fatima, alayhi salam. Il savait aussi qu'El-Murtasim et El-Wasserq n'avaient pas créé trop de problèmes à Imam al-Hadi, alayhi salam. Imam Ali al-Hadi, alayhi salam. Il se dit donc, si je l'épargne, cette personne va finir par s'accaparer des masses. Aucun calife n'avait jamais assigné à résidence un imam tel qu'El-Mutawakkil. Il dit à son conseiller Yahya ibn Adrama, Yahya, je veux que tu ailles à Médine avec 300 de tes soldats. Pourquoi? Demanda Yahya. Ali ibn Muhammad al-Hadi habite à Médine, je ne veux pas qu'il reste là-bas. Dis-lui que nous sommes à Samarra et qu'il doit donc venir vivre à Samarra. Savez-vous pourquoi les Abbassides vivaient à Samarra? Ils se souciaient des Turcs, qui étaient à présent plus puissants que les Abbassides. Samarra est dans le nord de l'Irak, vers Tikrit. Ils firent donc de Samarra leur capitale. Yahya ibn Adrama dit: à l'époque, je ne croyais pas vraiment qu'Ali al-Radi était un imam qu'il fallait veiller de près. En chemin vers Médine, j'avais un soldat de Khawarij avec nous qui haïssait Imam Ali al-Salam. Et j'avais un Shira d'Ali al-Radi, un partisan d'Ali al-Radi. Parfois, on pouvait être croyant, mais travailler pour le gouvernement. Bon, ça, il le dit, mais en réalité, ça ne se fait pas. Peut-être maintenant, si quelqu'un croit au taqlid et à l'importance du marja, faudrait demander au marja, parce qu'on peut se perdre. Tout dépend de ce qu'on fait dans le gouvernement. Quand on est une force d'oppression, c'est très dangereux d'être dans le gouvernement. Tout dépend de ce qu'on fait, bien sûr. Et en présence de l'imam, il y a des autorisations. Par exemple, pour Ali ibn Yaqtin, avec l'époque de l'imam Moussa al-Razim alayhi salam, mais ça reste toujours des choses exceptionnelles. Là, il arrive à dire que, clairement, parfois, vous pourrez être croyant, mais travailler pour pouvoir être croyant, mais travailler pour le gouvernement. C'est plus compliqué que ça, en vérité. Mais bon, ce n'est pas notre sujet. Car il y a des hadiths aussi, entre autres, qui parlent du soutien au Tarout, qui n'est pas autorisé, hein, l'assistance de l'oppresseur. J'avais fait une vidéo sur ce sujet-là. Je continue en chemin vers Médine, ces deux discutaient. Le Kharijite regarda le Shia et dit: Ali ibn Abi Talib a des hadiths qui n'ont pas de sens. Comment peux-tu suivre cet homme? Quel hadith? Demanda le Shia. Tu as un hadith qui dit qu'Ali ibn Abi Talib salam, a dit: chaque coin du monde sera un jour une tombe pour un être humain. Comment est-ce que chaque coin du monde peut être une tombe pour un être humain?
Si Ali ibn Abi Talib l'a dit, répondit le Shira, c'est qu'Ali ibn Abi Talib avait sûrement raison. Quoi qu'il en soit, ils discutaient du problème alors qu'ils étaient en route pour Médine. Nous arrivâmes à Médine et nous trouvâmes la maison où se trouvait Ali el-Radi. Et nous étions prêts à lui donner de l'ordre de préparer ses affaires et de nous suivre. Aussitôt que nous arrivâmes chez Ali el-Radi, nous vîmes des gens en train de tricoter et des gens en train de coudre, et des gens qui faisaient des selles et des gens qui faisaient de grands manteaux. Je regardais cet homme et me disais, c'est lui qu'ils appellent leur imam. Cet homme n'a aucune raison que ce soit. Pourquoi? Parce que c'était l'été. L'Irak en été était un des endroits les plus chauds sur terre. Il se dit, Ali el-Radi demande aux gens de tricoter en été. Je lui dis donc, Ali, tu dois partir. Pourquoi? El Moutawakkel dit que tu dois être assigné à résidence à Samarra. Tu n'as pas le droit de vivre ta vie ou d'enseigner librement à Médine. Ali el-Radi, alayhi salam, me regarda et me dit, vous voyez que nos gens sont en train de tricoter et de coudre. Est-ce que ça vous dérange d'attendre? Ils auront fini demain et nous partirons au troisième jour. D'accord, dis-je. Nous partirons le troisième jour. Je me disais, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils tricotent, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils cousent. Il fait chaud, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de tricot? Nous partîmes le troisième jour et nous avions emprunté la route du désert en direction de Samarra. Et nous atteignîmes l'endroit où le Kharijite débattait avec le Shira. Lorsque nous arrivâmes à cet endroit, Ali el-Radi alayhi salam dit, gardez ce tricot avec vous ainsi que l'armure. Gardez-la près de vous. Pourquoi? Gardez-les. Tout à coup, nous vîmes une tempête de neige telle que nous n'avions jamais vu arriver de loin. Lorsque cette tempête s'approchait, Ali el-Radi nous dit, dépêchez-vous, portez ce que je vous ai donné. Certains d'entre nous obéirent, d'autres pas. La tempête de neige vint et repartit peu de temps après. Nous nous relevâmes, j'avais 300 soldats au début du voyage. 80 d'entre eux étaient à présent décédés. Ali el-Radi alayhi salam me regarda et me dit, Ali ibn Abi Talib avait raison quand il disait, chaque coin du monde sera un jour une tombe d'un être humain. Je le regardais et me demandais comment savait-il ce dont nous avions discuté ici. D'où a-t-il appris que nous étions ici et nous avions discuté de ce problème? C'est à ce moment-là que je mis à croire l'imamat d'Ali. L'imam Ali el-Radi alayhi salam, je le prie, nous allâmes à Samarra. Bon, c'est très bien, mashallah. Nous assigna, son assignation à résidence et l'harcèlement constant du calife. Lorsque Imam Ali el-Radi alayhi salam arriva à Samarra, il entra chez lui et s'assit. C'était le début de son assignation à résidence. El-Moutawakkel ne vint même pas le rencontrer. Il mit un imam dans une petite maison à Samarra. Les récits disent qu'El-Moutawakkel dit que cet homme reste dans cette maison et qu'il ne quitte pas la maison sans que nous surveillions chacun de ses mouvements. Un ou deux jours plus tard, El-Moutawakkel tomba malade. Il avait mangé quelque chose qui était empoisonné. La mère d'El-Moutawakkel vint chez l'imam Ali el-Radi alayhi salam et lui dit: Wali ibn Muhammad, je suis désolé de la manière dont mon fils vous traite. Cela vous dérange-t-il de venir chez lui? Il est sur son lit de mort, je vous en prie. Veillez sur lui, dites quelque chose, dites-nous ce que nous devons faire. Un imam d'Ali Muhammad aurait facilement pu se détourner et dire: Non, votre fils m'a fait du mal. Mais les Ali Muhammad, là il parle un imam qui n'est pas infaillible bien sûr. Mais les Ali Muhammad ont des cœurs qui sont des cœurs, empreints de générosité. Imam Ali Aradi lui dit au maire de Moutawakkel qu'il mange un morceau d'agneau et qu'il prenne un peu d'eau de rose. Inch'Allah, il sera guéri. Bon. Peut-être que son interprétation n'est pas juste, peut-être que le récit, je ne sais pas. J'aime bien voir la source, mais je l'avais déjà entendu parler ce récit. Apparemment, c'est un récit reconnu. Mais pour quelle raison l'imam fait cela? Peut-être parce que de toute façon, ce n'est pas venu le temps de le Moutawakkel. Hein? Il a encore quelque chose à faire, je ne sais pas. Donc, ce n'était pas encore son temps de décès, de toute façon. De toute façon, les imams savent déjà d'avance le temps des oppresseurs quand ils vont décéder, même à travers certains livres secrets ou directement d'eux. Donc, je ne pense pas que c'est lié à empreint de générosité, parce que quelquefois, les imams ont eu des positions claires vis-à-vis du Tarout. Entre autres, l'histoire avec l'époque de Haroun el-Rachid et l'imam Moussa al-Khadim, alayhi salam. Non, l'imam Sadegh, alayhi salam. Avec Safwan le chamelier, hein, j'en ai déjà parlé. Plusieurs fois d'ailleurs. Elle repartit, s'assit près de son fils, qui avait essayé de détruire la tombe du grand-père d'Imam el-Radi alayhi salam 47 fois. Elle lui donna de l'agneau et de l'eau de rose à boire. El-Moutawakkel avait fait un vœu, si je survis, je donnerai mal kassir, c'est une grosse somme d'argent. Il survécut. Sa mère revint voir Imam el-Radi alayhi salam en secret et dit, je vous remercie beaucoup, mon fils assure que voici 10 000 dinars dans un sac. Quelqu'un l'avait vu entrer chez l'imam Ali el-Radi alayhi salam. Cette personne appela Abul Hassan, appela Abul Hassan el-Bataï. Lorsqu'il la vit, il alla chez Moutawakkel et dit,
El-Moutawakkel, je crois qu'Ali el-Hadi incite les gens à se soulever contre toi. Comment ça? J'ai vu ta mère entrer chez lui et lui donner un sac. Très bien, dit El-Moutawakkel. Cet Ali el-Hadi n'est pas un bien pour nous. À minuit, on voit Saïd chez lui. Peu importe que sa famille soit réveillée ou endormie, réveillez-le et trouvez ce qu'il cache chez lui. Saïd raconta, je suis allé voir, je suis allé chez Imam Ali el-Hadi au milieu de la nuit. J'entendis soudain une voix, Saïd, attends, je vais te donner une bougie. C'était Imam Ali el-Hadi, alayhi salam, qui le lui disait. Imam Ali el-Hadi se leva et dit, Saïd, qu'est-ce qui se passe? Ali, nous devons fouiller ta maison car nous pensons que tu amasses de l'argent pour te battre. Qu'est-ce que c'est que ces 10 000 dinars? C'est de la part de la mère de Moutawakkel. Lorsque Moutawakkel était mourant, j'ai dit à sa mère ce qu'elle Moutawakkel devait manger. Qu'est-ce que c'est que ça? Un matelas, et ça? Une carafe, et ça? Un tapis de prière. Tu n'as rien d'autre dans la maison? Je jure que je n'ai rien d'autre dans cette maison. C'est tout ce dont nous vivons. Très bien, je ne crois toujours pas. Viens avec moi, nous irons au palais du roi à pied. Imam Ali el-Hadi, alayhi salam, dut aller à pied au palais au milieu de la nuit. Lorsque Imam Ali el-Hadi arriva au palais, le Moutawakkel le regarda et dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à votre ami? Le Moutawakkel regarda Saïd et dit, Saïd, qui avait-il chez lui? Il y avait un sac avec 10 000 dinars. Le Moutawakkel regarda l'imam et dit, à quoi devaient servir ces 10 000 dinars? Votre mère me les a donnés. Pourquoi est-ce que ma mère vous a donné 10 000 dinars? Demanda le Moutawakkel. Parce que lorsque vous avez été empoisonné, que vous étiez mourant, j'ai dit à votre mère ce que vous devez prendre. Et c'est pour ça que vous êtes en vie aujourd'hui. Pardonnez-moi, dit El-Moutawakkel. Laissez cet homme rentrer chez lui. Après, il y a une histoire, je ne me rappelle plus si c'est avec l'imam, mais là, quand il a dit je donnerai beaucoup d'argent, après ils ont discuté de combien d'argent. Et l'imam a expliqué, d'après un verset coranique, ça voulait dire quoi? Mal el-Kassir. Et donc en fait, mais là il n'y a pas cela. Peut-être c'est avec l'imam El-Hadi ou avec quelqu'un d'autre. Mais ça existe cette histoire avec un autre imam. Ou bien il a amputé, il n'est pas resté sur ce sujet-là. Parce que beaucoup d'argent, là il insiste mal el-Kassir, sinon il aurait pu dire je vais donner une récompense. Donc normalement il y a quelque chose. Et là il interprète par 10 000 dinars. Il faisait ainsi avec l'imam toutes les semaines. Il pénétrait chez lui au milieu de la nuit, il le faisait sortir. Pourquoi? Pour l'éprouver et lui faire du mal. Il faisait irruption chez lui au milieu de la nuit. Dehors, pourquoi? Le roi veut te voir maintenant. Un jour, alors qu'ils emmenèrent l'imam au palais, le Moutawakkel est en train de boire. Il dit à l'imam El-Hadi, alayhi salam, pourquoi ne prends-tu pas, tu vas boire, toi aussi? L'imam le regarda et dit, je ne veux rien de cela. Ali ibn Ahmad dit à Moutawakkel, récite-moi un poème. Nous ne sommes pas les gens de poésie. Récite, dit le Moutawakkel. Tout ce dont je me souviens, c'est un poème de mon père, Amir al-Mu'minin, alayhi salam. L'imam récita ces vers où il lui dit, arrivera un jour où sont les couronnes. Où sont les déclarations? Où est la gloire? Au final, tu seras un être humain sous terre, avec des vers te dévorant de l'intérieur. Lorsque Moutawakkel fit un vœu, il dit, lorsque j'irai mieux, je donnerai mal el-Kassir. Ah voilà, ils vont en parler. Mais lorsqu'il alla mieux, il dit, je me demande, j'ai dit mal el-Kassir. Kassir veut dire beaucoup. Combien dois-je donner? Ils allaient voir des gardiens des Moutawakkel et lui demandaient, c'est combien Kassir? 1 000 dinars. Puis ils allèrent voir les ulama et leur demandèrent, c'est combien Kassir? 100 000 dinars. Non, 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 dit Moutawakkel, aucun d'entre vous n'a raison. Amenez-moi Ali el-Hadi, je veux voir ce qu'il pense. Ils traînèrent Imam Ali el-Hadi, alayhi salam, hors de chez lui au milieu de la nuit. Ils refusèrent d'attendre le matin. Ils allaient toujours chez lui en pleine nuit, exprès. Et Moutawakkel lui dit, j'ai fait un vœu. Qu'est-ce donc? Demanda Imam el-Hadi. Et Ali el-Hadi. J'ai fait le vœu que si j'allais mieux, je donnerais mal el-Kassir, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Et maintenant, je ne sais pas ce que c'est beaucoup. C'est combien Kassir? Vous devez donner 83 dinars. Pardon? 83 dinars. Seulement 83? Oui. Pourquoi? Par rapport au verset du Coran. Quel verset? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah vous a donné la victoire. En mawat en kassir. Vous voulez du mot kassir dans le Coran. C'est le verset où le mot kassir est utilisé. Que veut dire ce verset? Demanda le Moutawakkel. Allah a donné 83 victoires au prophète dans sa vie. Vous devez donc payer 83 dinars, dit l'imam. Seuls les gens comme vous ont un tel savoir, dit le Moutawakkel en le regardant. Il le laissa repartir. À une autre occasion, il le rappela à nouveau au milieu de la nuit, alors qu'Imam Ali el-Hadi, alayhi salam, dormait. Ils firent éruption et saccagèrent tout en hurlant. Debout, tout le monde, debout. Où est Ali el-Hadi? Imam Ali el-Hadi, alayhi salam, se réveilla alors et dit, qu'y a-t-il? Viens au château d'El-Moutawakkel. Ils se rendirent donc au château d'El-Moutawakkel. Il y avait un chrétien qui était là. Et le Moutawakkel dit, Ali ibn Muhammad, ce chrétien a commis le zina, c'est-à-dire l'adultère avec une femme musulmane. J'ai demandé à cet alim, Yahya ibn Hakam, tu connais Yahya ibn Hakam,
Oui, je le connais. J'ai demandé à Yahya ibn Aktham de le punir. Et nous sommes sur le point de le punir. Mais ce chrétien a lu sa shahada. Yahya dit que l'homme chrétien doit être pardonné, car ce que tu dis à shahada, tous les péchés que tu as commis avant de devenir musulman sont pardonnés. Et cet alim ici dit qu'il doit être fouetté. Qu'en penses-tu? Cette personne doit être fouettée jusqu'à qu'il meure. Pourquoi? Demanda le Mutawakkil. Le verset du Coran, lorsqu'ils voient notre châtiment, alors ils disent, nous croyons en Allah. Il est facile pour un homme qui a commis le zina de dire, je suis devenu musulman, lorsque vous êtes sur le point de le punir. Il connut donc le châtiment. Semaine après semaine, Imam Al-Iradi subissait cela. C'est pourquoi il était difficile pour ses shiras de le rencontrer. Avant, ses shiras devaient juste sortir de chez eux pour le rencontrer à l'extérieur de sa maison. Mais ce ne fut plus le cas. Des gens comme Younous, Nakash et Issa étaient ses compagnons. En vérité, je remarque que finalement, ça va être plus long. Je vais m'arrêter là. Je reviens, puisque là j'en suis à 21 minutes, pour finir le sujet, Inch'Allah.